Je vous dis merci. Un grand merci, puis à très bientôt avec l'École des Mines. Au revoir. Dans le cadre de cette plateforme, on met à disposition gratuitement des professionnels et des maîtres d'ouvrage, des outils, et notamment outils de la consommation électrique, et un outil révolutionnaire, on a un brevet de première mondiale, de reconstruction 3D en temps réel d'une pièce. Alors ça n'existe pas, il y a des gros appareils qui coûtent 40 000 euros, des parents qui sont accessibles, notamment pour le neuf, c'est pas accessible aux professionnels, et quand même très fort. Des tablettes de nouvelle génération qui coûtent pour les 400 euros sur le marché, il n'y en a qu'une pour l'instant qui est sortie, la 2 euros. Et donc nous, on a été sélectionnés par Google Tango pour faire partie des premiers à faire un logiciel dessus. De la pièce. Tac 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 tac. Tout ça. Il y a la table qui apparaît. La table. Vous enregistrez. Vous avez votre maîtrise qui apparaît parce que c'est pas une mèche de rue, une mèche. C'est la technologie qui permet à l'artisan de faire son tour, d'avoir son écran immédiatement. Et dans la nouvelle génération de la on mettra en ligne bientôt, on incorpore l'étiquette énergétique du logement. Donc ça donne une sensibilisation particulière pour le professionnel qui vous a ça. Regardez votre étiquette, c'est E, il faut faire quelque chose. Donc non seulement je vais vous faire votre peinture, mais je vais vous mettre en relation avec les professionnels de qualité sur votre territoire, je vais pouvoir vous aider à magnifier votre étiquette. Pour avoir des territoires pilotes. Le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire où il y a beaucoup de logements construits contrairement à des territoires plus récents, construits avec des dates de construction antérieures à toutes les normes, les premières normes sur l'installation. Et du coup, il y a un enjeu énorme sur la réalisation des bâtiments. Avec pas forcément en capacité. Donc il faut les faire monter. Oui. Ce ne sera forcément pour leur permettre de répondre en offre globale, c'est-à-dire de se grouper, mais avec des professionnels et gardes intérieurs qu'elles reconnaissent, parce que les entreprises ont peur de se mettre avec d'autres, genre de dire c'est un réflexe un peu de concurrence et de difficulté d'activité. Donc on leur a proposé des outils pour réussir un peu à faire ça, pas tout seul. Nous, on a un modèle qui est non parasitaire, c'est pour ça qu'on est reconnu notamment par la Poste. On a un modèle où c'est juste un simple abonnement comme du Microsoft ou autre. Et le professionnel ensuite ne paye pas le commissionnement sur ses travaux, ne paye pas les leads qu'on lui apporte. C'est vraiment juste un abonnement. Ensuite, s'il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il récupère 100 000 euros de chiffre d'affaires. Nous, c'est pas notre souci. On veut justement massifier les travaux. Que ce soit 70 milliards d'euros à l'heure actuelle, ils ne sont pas. Ils ne sont pas optimisés pour les petits. Il y a de la qualité de l'air aussi qui va être mis en place. Il y a effectivement l'énergie. Il y a l'accessibilité du logement. C'est ça qui fortune de laisser les gens chez eux.
plutôt à l'hôpital pour les laisser chez eux, mais il faut rendre leur habitat accessible. Donc tout ça, ce sont des rendez-vous 79 pour les spatulés. Il n'y a personne vraiment de capacité de traiter à part les groupes et en fait pour les le territoire. C'est aussi le. Oui. En fait, effectivement, on déploie dans le 77 et on... Oui, j'ai vu. Vous nous avez vu sur 77 les... On déploie dans le 77, on déploie dans le 77. Dans l'Essonne, vous m'avez dit, non ? Dans l'Essonne, c'est juste... Enfin, c'est juste... C'est la plateforme locale, donc, demandée par la collectivité. C'est une plateforme. Mais la collectivité, vous n'avez pas la capacité légale de mettre en relation avec des pros, ni de proposer du financement. Donc, nous, on est le stade complémentaire, la tranche qui manque, pour pouvoir avoir un annuaire de pro qualifié sur le territoire. Parce que justement, avec les agences locales, ça fait partie des questions. Oui, on fait le lien avec eux, on fait le lien avec les prises. Parce tout que les prises, c'est le premier niveau d'information pour le particulier, il en a besoin. Mais après, il peut être un petit peu désorienté parce qu'il n'a pas la fin de la réponse à sa question. Donc nous, on lui apporte la touche finale. Dans le 77, vous faites quoi exactement? Alors, on a une première plateforme qui est bâtie avec vous, qui est la plateforme avec la FFB d'information et de mise en place, pas que des pros FFB, mais tous les pros. Et puis, on déploie ProHero, qui est notre plateforme à nous, avec la couche, toutes les couches complémentaires de mise en place. Il y a aussi le carnet numérique qui est intégré, donc de la maquette, comme c'est de la maquette numérique compatible BIM, on met en place le carnet numérique qui va être obligatoire. Ça, c'est inclus aussi dans notre plateforme. Voilà, c'est tout pour la rénovation. Okay. Bon, très bien. Vous avez un contact dans cette famille, mais pas de... Non, justement, non. Alors que vous, alors qu'ils sont parmi toi, oui. Et en plus qu'ils et on donne des haribots. Et que je suis un gourmand. On sera sans souvenir pour la prochaine rencontre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà la meilleure d'entre nous. J'arrivais.